Donc bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec les serviteurs galactiques. Alors je sais plus trop exactement où je vous en ai laissé la dernière fois. Je vois juste que j'ai quelqu'un qui a pas d'emploi et si j'avais regardé avant l'ancien enregistrement, on manquait un petit peu de pop sur cette planète. Donc je vais les déplacer là-bas, surtout que ça nous coûte juste de l'énergie maintenant. Ouais c'est ça. Donc comment ça s'appelle déjà Nucleus ? Nucleus, c'est où ? C'est là. Hop. Voilà, comme ça, ça nous fait une troisième pop. On va enlever la pause, on va quand même mettre en très rapide parce que sinon déjà que le jeu il tourne pas vite, ça va nous aider. J'ai rajouté aussi trois petits destroyers dans nos flottes là, pour histoire de monter au max de la capacité de commandement. Et alors je vois que ici aussi on a, on va faire la même. On va le déplacer à Nucleus aussi. Voilà. Mais attends, c'est moi ou ils viennent de partir ? Attends, carne. Putain mais en fait, j'ai des pops de partout qui... Ah mais ouais, ok, peut-être qu'il faudrait que je remette des emplois là-dedans. On va faire réévaluer entièrement, voilà. Donc ça c'est bon. Ici j'ai encore un emplacement, on pourrait foutre un district central. Histoire de d'avoir un autre emplacement de bâtiment. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Ouais, nos reliques. Putain, on a toujours que deux reliques. Mercredi, un live. Je sais pas encore. Sur la nouvelle extension, peut-être. On verra. Moins de bâtisseurs de fédé, mais ça, je peux pas le décider, Steram, malheureusement. Ok, donc un truc aussi que je voulais voir, c'était un peu nos défenses. Parce que là, on est à 22 plateformes sur 35. Je pense qu'on pourra en ajouter quelques-unes. Surtout qu'on a les ressources en plus. Donc on va faire ça. Alors la question que je me posais c'est est-ce que je fais un deuxième canon ionique ou plus de plateformes? Parce que le canon ionique il utilise combien déjà? Il utilise combien d'emplacements? C'est pas marqué là? C'est censé être marqué non? C'est pas marqué apparemment. On est à 22 sur 35 si j'en mets un. Alors ça me le prend pas en compte de suite. Ça c'est intéressant. Puis après en plus le temps que ça prend à construire. Bon, je vais pas en mettre un autre. On va plutôt ajouter les plateformes de... 1, 2... 2 d'artillerie, 2 lance-missiles, 2 hangars. 4 hangars, 4 artilleries, 4 lance-missiles, mais... C'est moi ou il me met pas de limite? Ah ok. Nécessaire 7, donc c'est 7 pour ce truc-là en fait. D'accord. Bon à savoir. Ok, ça c'est bon. Et santé des armées, très bien. Qu'est-ce qu'il est en train de rechercher d'autre? Dégâts infligés par les armées. Ok. Bon, du coup, j'ai beaucoup d'argent. On va acheter du coup de ces trucs-là avec. On va se renforcer du coup. Bah, ici, pareil. Donc, on est à 22 sur 35 ici aussi. Donc, on va mettre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Déjà pour commencer. On va aussi renforcer. Alors, du coup, ici, on en était où? On va améliorer les citadelles un peu où on peut d'ailleurs. Vu qu'on a beaucoup d'alliages de disponibles. D'ailleurs, ouais, non, j'ai pas de capacité de base stellaire supplémentaire disponible. Donc ça, c'est pas grave, mais on va... Voilà, on va améliorer toutes les citadelles qu'on peut. Et d'ailleurs, j'ai un autre bâtiment... Oh, oui. Protocole de préservation 628.2 activé. Message lié. Attention, civilisation synthétique. Des inefficacités notables ont été notées dans votre code de base. Afin d'assurer que votre espèce puisse contribuer au projet sauvegarde, une réécriture importante est nécessaire. Nous nous préparons à lancer une transmission subspatiale dès confirmation que vous avez bien reçu ce message. Nous attendons votre réponse. Donc ça c'est la préservation, il nous ressemble beaucoup en fait quelque part. Alors, toute chance d'améliorer notre programmation est bonne à prendre, donc ça va nous donner quoi? Cela va avoir des répercussions imprévisibles, jusqu'à ce que ceci soit connu, le coût de maintenance de nos pops sera accru. Donc maintenant c'est plus 10%, ou alors on va accepter, tiens, pour voir. Soyons fous. Donc ouais, ici on pourrait mettre quoi comme
truc qui nous donnerait, je sais pas moi, des bonus peut-être à la planète. On pourrait mettre une zone hydroponique au pire. Ah, il y a pas de truc qui donne un boost de stabilité comme pour les empires standards. C'est le black site là, le, je sais plus comment ça s'appelle en français. Bâtiment qui donne un peu de stabilité, mais apparemment ça est plus avec eux. On va mettre le truc de bouffe parce que j'ai rien d'autre à mettre d'intéressant. On va améliorer la citadelle ici. Ok, donc le l'extra, le décompresseur de matière, je crois qu'il est fini là maintenant. Ça y est, hein ? Ouais, il est fini. Donc ça, il est complètement construit. Il est trop classe. Et on a le Vaillant Directorate qui vient de terminer un centre scientifique. D'accord. Alors, en parlant de ça, on pourra en faire un nous aussi. Mais le truc, c'est qu'on a déjà peut-être une autre section d'un nos mondes à terminer. On est déjà en train de construire deux autres, vu qu'on a trois mégastructures en même temps. Ça nous en fait 3 sur 3. Et donc ça, c'est bon. Par contre, putain, je suis à... Ouf, sur les gaz exotiques, je suis à moins 9. Qu'est-ce qui s'est basé ? On va mettre une raffinerie ici. Probablement une ou deux ici d'ailleurs au passage. On manque de pub dans tous les cas de toute façon ici. Et source, ouais, j'étais en train de faire le projet d'archéologie ici, donc de toute façon on va pas le changer. Hey Tiger, ça fait 6 minutes qu'on a commencé à jouer. Donc t'as rien raté. Ok, donc ici, il faut qu'on réimplante. On avait dit qu'on continue. On va continuer à envoyer sur Nucleus pour l'instant, parce que je sais que j'ai besoin de monde là-bas. Et en plus, c'est une station raffineuse. On va en profiter aussi, je pense, pour agrandir les Alors, attends. Ça nous donne quoi, un district comme ça, ici? 8 logements et drones de maintenance. Mais ça donne pas de bâtiments. Je crois qu'il n'y a que le centre administratif qui donne des bâtiments. On pourrait faire un district comme ça et un district comme ça pour commencer déjà. Bon après, ouais non mais remarque. Ça c'est quoi ça? Ah, on pourrait avoir des emplois de biotrophée ici du coup. Alors sur le papier ça pourrait être intéressant. Parce que déjà l'habitat normalement sera à 100% pour quasiment tout le monde. Alors les Gudge Guardians s'attaquent encore à l'assemblée de Kershi. Bon, je vais en faire un pour voir. Il y en a combien de trucs? Ouais, il n'y a que 5 emplois de biotrophée. Et ça nous donne des emplois de drones de maintenance aussi. Ça pourrait augmenter la production de ressources des drones complexes. Donc du coup, nos drones ici qui font de la chimie, ça leur augmenterait leur production de chimie en fait. Ça pourrait être sympa du coup, je pense. Bon, nos stations. Alors, on avait celle-ci. Celle-ci, elle va plus être militaire. Voyons voir, on a quoi? Cadence de tir des vaisseaux. Porter des armes des vaisseaux, des plateformes défensives. On va plutôt prendre ça. Et il y a zéro plateforme ici. Bon, ben, il va falloir qu'on mette... Bon, ça sera déjà pas mal, ça. Merci Flolov. Salut The Garth. Alors qu'est-ce qui se passe sur Cryotherme? Oula, oui, qu'est-ce qui se passe ici? C'est une écuménopole. Je crois qu'elle a énormément d'emplois qui sont partis dans les fabricateurs, ce qui nous a foutu... D'ailleurs, à plus d'un cas ici. 1400 même de production, putain. D'accord. Et ce qui veut dire que du coup j'ai très peu d'emplois de drones de maintenance. Et ça c'est un peu pénible que le jeu ne les rééquilibre pas correctement quoi. On va faire ça, ça va booster un peu la stabilité déjà. Après on pourrait aussi mettre ça mais... Non, ce serait pas intéressant. Ok, bon, j'ai trop de minéraux, j'ai plein de ressources. Alors un truc qu'on pourrait faire pour lutter contre ça c'est des... truc de stockage. Alors le problème c'est que j'ai plus beaucoup de place dans toutes les stations que j'ai faites. Ouais. Viens voir, c'est ici qu'on est en train... Non, on est en train d'améliorer juste en citadelle, il y a toujours zéro plateforme de défense. Volonté de puissance, oui je vais le vouloir à nouveau pour qu'on ait de l'influence.
Ok. Bon, cette guerre est toujours pas finie. Je sais qu'à la base, il me semble que j'étais en train d'attendre qu'il finisse cette guerre. Ce qu'on avait dit, c'est lui, ce qui est là, l'Empire déchu, a réattaqué encore l'Assemblée de Kershi, qui est considéré comme équivalent à nous. Si on regarde au niveau de la truc galactique, on est à 47k, on est toujours quasiment 20k derrière quand même, en termes de puissance globale. Mais ça peut venir, comme on avait dit, uniquement de bonus particuliers, on va dire. Donc c'est pas nécessairement un problème. Donc on peut pas vraiment l'attaquer à lui parce qu'il est déjà en guerre. On peut pas l'attaquer à lui parce qu'on a une trêve, mais la trêve devrait se terminer bientôt. Ah bah, dans 2 mois. C'est parfait. Est-ce qu'il a des gens qui le protègent? Il a des pactes de non-agression. Il a des pactes commerciaux, on s'en fout. En l'occurrence, je crois qu'il a personne qui le protège, non. Donc je sais ce qu'on va faire le 25 avril. Ah bah c'est dans 1 mois. Ça tombe bien. Ah oui, le bad, mon dieu. Mauvais souvenir. C'était un peu le bad. Ça y est, on est en avril. Allez, le 25. Alors, un truc qu'on pourrait faire pendant que je suis en train de blablater, moi, c'est qu'on pourrait déjà déployer nos flottes. Alors, j'ai mis en peu... Ouais, remarque, on peut déplacer... On peut déplacer tout ça sans problème. Hein. Donc ça, c'est bon. On va juste s'occuper de la pop qui a pas d'emploi, là, sur Nexus. C'est quoi? Ah, c'est un biotrophée. Putain, mais pareil, ici, pourquoi... Il m'a réorganisé mes habitations, quoi. Bon, du coup, j'ai de la place sous pour les biotrophées, parce que je sais plus, moi, dans cette histoire. Sur Salorim, ouais, on a un peu de place sur Salorim. Putain, j'en ai marre du zoom, là. Oh, doucement, un peu. Tu vas sur Salorim, voilà. Et après, on a aussi une pop, mais ça, c'est une pop de robot. Donc, le robot, il va aller sur Nucleus avec les autres. Et sinon, à part ça, l'autre, il nous a fermé les frontières. Ça veut dire que la trêve est terminée, donc ça veut dire qu'on peut lui déclarer la guerre. Et il a personne avec lui. Alors... Est-ce que on pourrait pas... Non, on va pas se soumettre à lui. J'ai pas exigé la vassalité. Apparemment non. Alors, vu qu'on a peut-être pas mal d'influence, avant de déclarer la guerre... Ouais, c'est une bonne idée ça. On va lui demander... Alors 125 pour ça là-bas. Parce que... Ouais, mais en fait je regarde, mais j'ai que ces deux mondes-là. En revendication, il faudrait peut-être pousser plus loin en fait. Donc c'est ce qu'on va faire. On va demander ça. Donc ça fait 300 déjà. Ça, 450. Je peux prendre un truc à 50 qui traîne quelque part. Bon, on peut dire 75, c'est pas grave. Voilà, on va cramer quasiment toute notre influence. Mais c'est fait pour. Et comme ça, on peut dire bonjour, bonjour. Nous venons conquérir des choses. Pousser pour être au contact du suivant, ça aurait pas vraiment été possible. Enfin, si, ça aurait été possible, mais bon, on le fera à la garde après. Ah, peut-être c'est vrai que les autres, ils doivent voter. Mon Dieu. Ah, attends, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer... On va mettre une flotte par ici. On va mettre une flotte par là. Et on va balancer une flotte par là. Et on va laisser ce truc-là en orbite ici. Non, idéal. Ce portail? Ah oui, alors déjà oui, c'est vrai qu'en termes de... notre défense, elle est bonne ici ou pas? Ouais, ici, elle est pas dégueulasse, notre défense. Ok, donc on est en guerre. Ça y est, c'est parti. Alors... Donc la première flotte, elle est là. On va aller détruire ça. La deuxième flotte, elle va aller prendre ça. Peut-être qu'on pourra rajouter des systèmes pendant la guerre, mais après, c'est le genre de truc, ça coûte un peu cher, en fait, quoi. Salut, l'aimier Kiryu. Bon, gardons un œil sur nos planètes, quand même. Non, ça a l'air d'aller. Du coup, les emplois sont allés. Donc, j'ai effectivement 5 biotrophées que je peux recevoir ici. Donc comme je disais, on va remplacer ça par des districts de loisirs aussi. Parce que j'ai pas besoin de cette production de districts en fait. Comme ça, on va avoir de la place pour quelques biotrophées sur place.
On pourrait upgrader ça quand il sera à 10 de tech. Donc il faudra que je transfère, des gens là-bas. Ok, alors ils ont essayé de m'attaquer. Ah, tu m'attaques là-haut. Bon, pas trop de problème, mais... Bon, la colonisation aussi est quasiment terminée. On va pouvoir s'installer sur notre anneau-monde et on va pouvoir voir du coup les anneaux-mondes de serviteurs à quoi ils ressemblent. Bon, après, si on regarde normalement, ouais, ils sont insignifiants par rapport à nous. Donc si on arrive à choper une ou deux de leur flotte, ça devrait être terminé, quoi. Donc, Ouf. On n'a rien perdu. Ça fait un peu bobo, j'ai l'impression, quand même. On va essayer de choper cette flotte de 15k. Bon, après, je sais, j'ai plein de ressources là-haut, mais d'un autre côté, si j'achète, on pourrait acheter ça un peu. Un truc, bah, vous savez quoi, on va acheter de ça un peu, parce que j'en ai pas tant que ça. Voilà, ce sera mieux comme ça. Yes, dégâts causés, ça c'est bien. Donc, on a un anneau-monde qui a fini apparemment. Et on a la colonie qui a été fondée. Alors attends, déjà on va regarder l'anneau-monde, c'est ça? Yes, on a un anneau-monde qui est prêt. Donc si on a un anneau-monde qui est prêt, ça veut dire qu'on a un emplacement de... de méga-structure disponible. Donc du coup... Attends, déjà on va s'occuper de ça. Oui, toi tu vas sur, on avait dit, Nucleus. Où est notre vaisseau de construction? Alors, on en a un ici. Et c'est le seul que j'ai apparemment. Les autres ont été détruits. C'est fort probable. On va lui demander... Alors déjà, attends, j'avais pas une... Si. Putain, j'avais jamais fini. Il faudrait que je finisse mes portails. Ça pourrait être une idée qu'elle est bonne. Et on pourrait du coup ici... Ah, mais j'ai pas l'influence, j'ai tout cramé. On va le faire venir en orbite de cette région. Si je regarde, j'avais pas fait un site de construction de portail ici non plus, hein, ça m'étonne pas. On avait fait un là, j'en avais pas fait un là, non. On en avait un là-haut, ça c'est bon. On en a un ici, il est fini, on en avait un là. Et c'était tout en fait, je crois. Ok, donc oui, bonjour. Alors, on a quoi ici? Bon, nous avons les districts de segment central habituel. Donc, drone de maintenance et technidrone. Production estimée des emplois, il peut faire jusqu'à 49 d'énergie, apparemment. Alors, on va probablement en faire au moins un, je pense. Ensuite, on a le segment générateur qui va nous faire 10 logements et 10 emplois de technidrone. Ok, qui nous permettrait de produire beaucoup d'électricité, mais ça, on en a déjà. Ensuite, on a les logements de segments de recherche. On pourrait maximiser nos segments de recherche, agridrone pour fabriquer de la bouffe ou fabricateur et artisan. Le problème, c'est qu'on n'a pas de biotrophée du coup. Donc, ce qui pourrait... Alors, ouais, avant de faire le segment central, tu vas faire le central d'assemblage des machines, un bastion et le nœud de liaison montante et probablement le poste de sentinelle. Ensuite, on va faire ça. Voilà. Et après, ce qu'on pourrait faire du coup, c'est des sanctuaires organiques. On va en faire un déjà. Et des segments de recherche inversés par rapport à nos écuménopoles. C'est-à-dire qu'on aurait les bâtiments qui accueilleraient les biotrophées et le segment qui accueille les chercheurs. Et dans les deux cas, on met le gros boost des biotrophées sur les chercheurs pour essayer de générer le maximum de recherche, quoi. Donc, on va essayer cette approche sur cet anneau-monde. Alors, l'incitation à immigrer, c'est... On s'en fout peut-être un peu, non? Ça va être un anneau-monde scientifique, ça, c'est sûr. Ok. 1570 de pop. Oui, c'est ma pop à moi, oui. Alors, sanctions limitées sur la recherche. Moi, j'étais contre. Apparemment, je suis pas le seul. Ok. Relevé énergétique inhabituel. Oui, mais ça, c'était là qu'il y avait l'espèce de bestiole. L'espèce de bestiole à la base. Bon, on va aller tuer ces gens.
détruire leur flotte. Construction complete. Violer leurs femmes et leurs enfants. Ah non, on est des robots. Pardon. Pourquoi tu te déplaces pas, toi ? Alert. Hostile fleet assets detected. Oh, il y a une flotte ennemie ici. Bon, ben voilà. Mon dieu, on a perdu un destroyer. Bon, on va aller voler un peu des pop du coup, hein, quand même. Je voudrais juste... Oh! Construction complete. Toi, tu es en train de venir là pour... Ah non, il est en train de faire demi-tour. Alors du coup, ouais, on va faire demi-tour aussi. On va aller prendre ça. Comme ça, on va éviter qu'il nous prenne un revers. Ce sera plus intelligent, je pense. Oh, tiens, un premier contact. On va mettre un émissaire, tiens. La communauté galactique, je pense qu'on a assez de puissance là-bas, donc c'est pas la peine d'en rajouter plus. Donc toi, plutôt que d'aller là-bas, tu vas venir ici pour aller te faire ça. Méga artistique, ok. Donc file d'attente de construction terminée ici, yes. On avait l'ordinateur de ciblage du coup. Ouais. C'est lequel déjà celui-là? Ok, oui, c'est celui qui sert à nous défendre contre notre voisin du sud. Donc on va vouloir un canon ionique. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ah bah voilà. Ah mais ça doit être parce que j'ai plus de... Ah si, pourtant. Ah, il faut vraiment que j'augmente ma production de gaz exotique. Oh! Ça ressemblait à des humains, ce truc. Ça, là. Ça ressemble à des humains, ça. D'où est-ce qu'il y a des humains dans cette partie? Bonjour la flotte ennemie. Ok, alors du coup, ils avaient... Ouais, ils avaient une flotte, à la base. Ok, donc ça c'est fait. Ok, donc les autres sont en train de revenir ici. On va essayer de les intercepter directement. Ok. Excusez-moi, j'ai peut-être la voix un peu cassée, j'ai l'impression. Bon, lançons les investigations. On dirait que c'est apparemment une seule station spatiale. On ne sait pas encore si ça appartient à une véritable civilisation spatiale d'ailleurs. Voilà qui est intéressant. Peut-être une race primitive qui est apparue. Oh putain, il est déjà... La flotte est déjà morte. 3, 3, 7, 2. Ouais, en fait, il lui reste un seul survivant dans sa flotte, le pauvre. Alors oui, prends la... Prends ça. Ensuite, tu vas revenir... Ici, puis ici. Bon, idéal. Nom de Dieu. Est-ce qu'on commence à bombarder un peu? Il y a une pop ici, donc ça sert à rien. Il y a vraiment que ça? M'étonne. J'ai une revendication là-dessus ou pas? Non. Donc on va pousser sur sa capitale plutôt. Ah ben, son indépendance vient d'être garantie par lui, tu sais, mais c'est un peu tard j'ai l'impression. Alors, nous avons réussi à traduire la langue, nous sommes entrés en communication avec la station spatiale indépendante de la Regan Commerce Exchange. Ah ben non, c'est pas du tout des humains. C'est des marchands. Putain, pourtant ils ressemblaient à des humains sur la première interface. Oh, on peut leur... voyons, ils ont quoi? Petit blindage en neutronium. Est-ce que j'ai un vaisseau scientifique pas loin? Ici? Ok, bon. Une fois que t'as fait ça, tu vas venir bombarder ici. 36 pop. On va bien pouvoir en piquer quelques-unes. Toi, tu vas aller sur Nucleus. Alors, on pourrait les envoyer sur l'anomonde aussi, hein, mais... D'ailleurs, on va upgrader ça dès qu'on... Peut-être... Non, c'est pas la peine que ce soit tout de suite parce qu'on n'a même pas assez de drones pour alimenter le truc de base, en fait. Technological acquisition successful. Ok, un peu de capa administratif, ça c'est bien.
Ok, donc ça c'est celle qui est venue ici pour aller bombarder. Ah, ça y est, on a assez de... Yes, on a assez de pop. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'améliorer en grand habitat, ce truc. D'ailleurs, d'où est-ce que j'ai un chantier? Oui, mais non, mais c'est pas à moi, ça. Ouais, ok, c'est la station qu'il y avait là-haut. Qu'est-ce que tu fais, toi? Reconstruis-moi un peu des trucs, mais... Ah, mais t'es sur la capitale, en fait. Je suis con. Ah oui, mais la capitale, ils ont plein de... D'accord. Ils ont le site de construction du méga chantier. 107 pop. Bon, ben, on va aller bombarder tout ça. Yes. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il faut juste qu'on s'occupe du coup de cette flotte. Bon, on a notre allié, nos alliés du coup qui sont en train un petit peu de s'occuper de ça. On va prendre ça et puis on va revenir par ici pour nettoyer un peu la menace qui est dans les environs et ça devrait aller. D'ailleurs, ouais, je vois qu'ils ont pris, ça m'étonne pas, ils ont utilisé le truc de saut pour venir jusqu'ici. Ça, c'est un habitant encore. Ah ouais. Ils aiment bien les habitants dans cette partie. Hein. Ok, donc ça, c'est bon. Donc maintenant qu'on a pris la portuelle, il risque plus de nous menacer sur nos arrières. Donc on va venir jusqu'ici. Ouais, j'étais en train de faire deux arcos ici, hein. C'est ça. Comme une brute. Bon, ça c'était un monde district agricole, j'y ai déjà fait le centre de traitement des denrées, on a déjà upgradé le reste, donc on pourrait y ajouter... Franchement, j'ai presque envie de foutre un peu à quelques endroits, genre un sanctuaire organique comme ça. Et après on va mettre deux raffineurs de gaz exotiques, je pense, dans tous les cas. Mais mettre un peu quelques sanctuaires organiques, ça peut beaucoup aider sur la stabilité en fait, ça peut être vachement intéressant. Oula, mais c'est qu'on est en train de se faire fesser, dis donc. Bon, je fais ça, j'irai pas jusque là quand même, mais d'ailleurs on a récupéré des pops. Ils sont en train de prendre cher. Ils sont en train de défendre leur capitale, c'est pas étonnant. Putain, ça tire dans tous les sens. Ah mais c'est un swarm de corvettes en même temps. Ils en ont 50. On a plus que des cuirassés, j'ai l'impression. Non, on a encore quelques destroyers. Ça y est, ils ont fui. Ok. Et un nouveau trait pour notre amiral. Nice, éclaireur. Bon bah on va renforcer la flotte. Bon, 9K, pas un problème. Tu reviens bombarder la capitale. Bon, je pense que ça a dû lui faire un peu mal quand même du coup d'essayer de, d'avoir essayé de faire ça. Quoi, il est déjà à 59% de fatigue de guerre. Ah oui, quand même. D'accord, ok. Effectivement. Ça va être encore une guerre qui va finir trop vite, en fait. Je vais pas avoir le temps de lui piquer plein de pop. Bon, ça va déjà. Il est à 35 encore ici. Ok, on a fini encore un... Alors... Du coup, maintenant, j'ai de l'influence. On avait ce vaisseau de construction ici. J'aurais aimé faire... Yes, le centre scientifique, s'il te plaît. Tu veux me le mettre ici, ça ira très bien. Ok, donc ça, comme ça, c'est bon. Bon, les biotrophées qu'on récupère, ils ont l'air d'aller automatiquement sur une planète où il y a de quoi les accueillir. Donc ça, c'est bien. Ship fragments dissected. On a récupéré un peu de points de science, ça c'est pas mal. Tu vas me bombarder cette planète du coup. On est à quoi, 42 pop ici. Est-ce qu'on a une idée du nombre total de pop qu'il a dans son empire? Ouais, 467, d'accord. Alors du coup j'ai fini une autre section ici. Yes, celle-ci, donc on peut la coloniser. Tiens, Axis. On avait Crux juste avant. Ok, donc on a un sanctuaire organique qui arrive. Je vais lui mettre, comme je disais, un segment de recherche, comme ça il l'aura. Et ce sera très bien pour commencer, en termes de construction. Donc sur cyanure ici, yes, c'est un robot qui a besoin. Donc Nucleus, je pense que c'est bon. Je vais commencer à les envoyer sur l'anneau monde, comme Omphalos.
Ok, donc là, oui, ça râle un peu chez eux, mais c'est chez eux, c'est pas chez nous. Du coup, c'est quoi ça? C'est juste un croiseur? D'accord, on pourrait en occuper. Ouais. Ça commence à y aller vite, là, du coup. Hein. 41 pop encore. Ah oui, on va prolonger l'accord, pas de problème. Il fait pour. Il en est où du coup le... Ouais, il avance, c'est bien. Donc 32. Non, le sens scientifique c'est une méga structure qui donne plein de points de science. C'est tout. Enfin, c'est tout, c'est déjà bien. Je vais mettre quelques silos de stockage sur certaines de mes stations où j'ai de la place. Pour essayer de pouvoir stocker plus de trucs là-haut. Et 31. Non, nos reliques, elles ne nous servent à rien, on avait dit. Alors, on a nos alliés qui sont en train de venir nettoyer, apparemment. Non, je sais pas trop à quoi tu joues, toi. Alors, non. Ne suivez pas mes flottes. Faut que je décoche ça sur mes trois flottes. J'ai pas envie qu'ils me suivent. Ok, c'est pas coché ici. Et c'est pas coché ici. Parfait. Toi, il faut que tu reviennes ici pour assister à la recherche. C'est parfait. Ok, bon, on va faire un petit break ici du coup pour cet épisode. Pour ceux qui sont sur live, ne vous inquiétez pas, ça continue. Hein. Mais pour ceux qui sont sur YouTube, on vous dit une très bonne journée. On vous dit à demain pour le prochain épisode. Salut à tous!